Eh bien, bonjour les amis, c'est Rankin, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui, ça y est, la note de patch 14.10 est arrivée. Et du coup, pour fêter ça, on va faire l'analyse du patch pour Rammus. Donc comme je dis à chaque fois, ce patch-ci, c'est surtout une analyse par rapport à Rammus, pour ceux qui veulent le jouer ou l'affronter. Si vous voulez une analyse de patch plus globale par rapport à tous les champions du jeu, je vous invite à aller voir un autre YouTuber ou un autre streamer qui en fait très certainement. Là, ici, on est surtout pour parler de Rammus. Du coup, pour vous donner un avis général, déjà, il faut savoir que Rammus va être extrêmement buff pour cette nouvelle saison, cette nouvelle demi-saison, en tout cas au début. Je vais vous expliquer pourquoi, les différentes modifications sur le champion. On va d'abord commencer par la note de patch, ensuite on verra l'état du champion actuellement, notamment au niveau des statistiques, et on terminera par un petit peu de gameplay pour vous présenter le nouveau build de Rammus. De toute façon, la vidéo elle sera séquentée, donc n'hésitez pas à avancer là où la partie vous intéresse le plus, parce que ça vous évitera du coup de voir des choses que vous avez peut-être déjà vues ou que vous avez peut-être déjà analysées de votre côté. Du coup, note de patch 14.10, il n'y a pas eu énormément de modifications sur les champions, mais il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes, notamment sur Corki. On va y arriver. Donc là, forcément, changement des maîtrises, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Changement des classés, pareil, on va continuer à déclasser comme j'ai expliqué. À partir du mi-juin, je suis en vacances, donc à partir du mi-juin, on fera des streams quasiment tous les jours et on fera des ranked quasiment tous les jours. On va essayer de passer Master sur Rammus, c'est l'objectif de cette année. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà au niveau du changement de système? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est une raison pour laquelle je pense que Rammus va être de plus en plus fort cette saison. Et il va falloir de nouveau modifier votre gameplay par rapport à ça. Nous modifions les gains d'expérience et de PO pour réduire l'écart entre de solvabilité entre certains rôles. Les junglers et les champions de la voie du bas ont tendance à être à un ou deux niveaux en dessous de ceux des autres voies en milieu de partie. Ils finissent par rattraper leur retard en fin de partie grâce à l'expérience gagnée en éliminant des champions. Nous leur permettons donc d'atteindre un niveau plus élevé en milieu de partie en modifiant l'XP obtenu en duo et l'XP donné par les monstres en début de partie. Et ensuite ils vont réduire, pour vous expliquer, ils vont réduire simplement l'XP en fin de partie. Donc en fait, pour vous expliquer très simplement, au niveau de l'expérience et du gain de PO, qu'est-ce qui va se passer? Les junglers, et notamment Rammus, vont gagner plus d'XP en début de partie, et à l'inverse, ils gagneront moins d'XP en fin de partie, pour justement rééquilibrer le gain d'expérience et le gain de niveau à tous les rôles. Ce changement est extrêmement fort sur Rammus, parce que le champion, déjà de base, il est extrêmement fort en early game, et son plus gros point fort et son objectif dans le début de partie, c'est de le gagner. Il doit gagner l'early game. Si vous gagnez l'early game avec Rammus, vous allez gagner la partie la plupart du temps. Le champion, il a déjà les outils pour y arriver. Après, c'est à vous de vous adapter et à jouer le gameplay pour gagner l'early game. Mais là, du coup, avec ce changement par rapport au gain d'expérience, c'est-à-dire que vous serez plus rapidement niveau 6, vous aurez plus rapidement votre Q-spell niveau 3. Et donc, ça veut dire que les gangs seront impactants un peu plus tôt. Par exemple, vous allez pouvoir gank le mid, peut-être parfois avant que le mid soit niveau 6, ou alors il vient tout juste de passer niveau 6 et vous aussi, et vous allez pouvoir le gank. Donc ça permet d'avoir des ganks beaucoup plus impactants très tôt. Forcément, gank impactant très tôt, ça veut dire beaucoup d'XP très tôt. Rammus va pouvoir avoir encore plus d'XP plus rapidement, et donc forcément ça va être de manière exponentielle, et en fait vous allez complètement détruire le game, si tant est que vous arrivez à bien jouer le champion dès le début. Voilà, ce gain d'expérience, il y a un petit peu un graphique qui vous explique un petit peu les pourcentages. On va pas forcément rentrer dans le détail, c'est pas le but. Mais ça veut dire que désormais Rammus, il va retrouver un petit peu le gameplay qu'il avait en saison 11, saison 11, saison 12. C'est-à-dire un gameplay où le champion il va énormément gank, il s'en fiche un petit peu des objectifs, et il va surtout se focus sur les ganks en early game. Voilà, donc ça c'est un changement qui peut sembler un petit peu anecdotique, mais quand on se penche un peu plus sur le macro avec Rammus et sur les ganks, en fait on se rend compte que c'est extrêmement fort. On enchaîne avec Corki. Corki qui avait à l'époque un passif qui faisait des dégâts magiques sur les auto-attaques. Là on voit, il y avait 20% de dégâts AD sur les auto-attaques et 80% de dégâts AP sur les auto. Désormais, Rammus fait 100% de dégâts physiques et 15% de dégâts bruts. Ce qui est un énorme buff pour Rammus par rapport à ce champion, parce que Corki était un des rares ADC qui pouvait être pick en bot lane ou en mid lane et qui avait des chances de le tuer en late game. Désormais, Rammus pourra aussi tanker des Corki. Corki lui fera moins de dégâts. Il faudra juste être vigilant par rapport aux dégâts bruts. Donc vous allez prendre peut-être un peu plus de dégâts par rapport aux dégâts bruts. Par contre, en termes de dégâts infligés, ça va être beaucoup plus puissant contre ce type de champion. Là, on voit du coup forcément les autres stacks de Corki qui ont été adaptés à ces changements. Donc il gagne plus de dégâts AD sur ses compétences que de dégâts AP.
sur la plupart. Et donc forcément, Corki va commencer à redevenir un champion AD. Donc forcément, c'est super fort pour Amus. On rentre pas plus dans le détail, j'adore Corki, c'est un de mes leaders préférés. On verra peut-être ça plus tard, je ferai peut-être une ou deux games pour le tester. En tout cas, pour Amus, Corki, il va très certainement remonter dans la tier list, et il est à mon avis moins impactant qu'avant. Cho'Gath, bon là pareil, il n'y a pas de très grand changement. Ils ont enlevé les dégâts max entre les sbires, les dégâts max entre les monstres, ils ont été augmentés. Ce qui veut dire, peut-être, un retour de Cho'Gath Jungle. Pourquoi pas, ça peut toujours se tester. On verra bien ça. Xante également, quelques changements. Bon là, il n'y a rien de bien intéressant, c'est plus pour le haut niveau, le nerf de Xante. Le E casse-tête ajoute un modificateur de 100 points de dégâts fixes entre les monstres. Donc ça, c'est pour que Cossette soit aussi jouable en Jungle. Et enfin, Skarner, quelques équilibrages sur Skarner par rapport à ses PV max. Parce qu'il gagnait quand même beaucoup de stats par rapport à ses PV pour un champion tank. Ensuite, Tryndamere, bonus de chance de coup critique de Führer. Il passe de 0 à 40% selon la Führer à 0 à 50%. Ça, c'est pareil, c'est pour accélérer sur les builds de Tryndamere, notamment en late game. Après, je suis pas un très gros joueur de Trynda. Mais bon, pour un Rammus, de toute façon, vous allez voir par la suite, je vais en parler par rapport au Rondouin notamment. Tryndamere va être encore moins problème qu'avant pour le tatou blindé. Viego également, que j'ai affronté. J'ai fait une première game de Ranked, j'ai affronté un Viego, je l'ai défoncé. Je sais pas si c'est par rapport à ce changement. Donc là, on voit la soin sur la marque des sbires, ça a été modifié pour que Viego soit jouable en lane, j'ai l'impression. Donc, bon, pourquoi pas. Yasuo, amplificateur de chance de coup critique, qui a également été modifié. Ça passe de 2,5 à 2, donc il va gagner moins de coups critiques. Les dégâts d'attaque qui ont été modifiés. Bon, de toute façon, on va en parler du rondouin, donc je vais pas m'attarder sur les champions critiques. Ça va pas être forcément très dérangeant. On arrive à présent aux items. Potion de corruption qui a été supprimée, on s'en fiche complètement. L'objet d'incantateur, cœur de l'aube, efficacité des soins boucliers qui a été ajouté, la puissance qui a été augmentée. Ok, peut-être à voir pour quel support, hein. De toute façon je ferai un guide bientôt sur quel support, vous en faites pas, c'est prévu, j'attendais justement cette note de patch, j'attendais le patch 14.10 pour pouvoir faire tous les guides que j'ai à faire, donc ça va pas tarder à arriver. Ecodelia pareil on s'en fiche, champ de guerre de Chourélian on s'en fiche un petit peu aussi. Alors, objet de tank, ça y est, ça c'est notre session à nous, nous attaquons aux objets de tank, aussi bien ceux qui coûtent cher que ceux qui sont bon marché. Notre premier objectif est de donner un peu d'accélération de compétences aux objets de tank. Nous ne voulons pas qu'ils aient autant que les combattants, mais les tanks devraient pouvoir en avoir un peu aussi. Nous avons donc ajouté de l'accélération de compétences aux objets les plus génériques, tels que l'égide solaire ou le rayonnement du vide. Notre deuxième objectif est de rendre les objets PV purs plus intéressants. Nous avons donc buffé les objets de PV et réduit les PV octroyés par les objets de résistance. Enfin, nous buffons également les objets qui ne sont pas très utilisés. Alors, juste par rapport à ce petit test qui est écrit, il y a des choses bien, des choses moins bien. Déjà, le fait qu'ils rajoutent de l'accélération de compétences sur les objets, ça veut dire que les objets vont potentiellement coûter plus cher pour justement équilibrer l'accélération de compétences octroyée. Sauf que Rammus, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, ses délais de récupération sont déjà très bien faits pour le champion pour pouvoir faire une rotation de ses sorts. Donc le personnage n'a déjà de base pas du tout besoin d'accélération de compétences. C'est même la stat la moins utile sur lui. Et donc en fait ce que j'ai peur c'est que justement ils augmentent le coût des items pour une statistique que Rammus se fout un petit peu. Par contre le point positif c'est qu'ils vont réduire les objets PV, ils vont réduire les PV sur les objets tank pour augmenter les résistances. Donc ça par contre c'est très bien sur Rammus. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait. Déjà ils ont supprimé la chaîne de l'anathème. Il n'y a plus de chaîne de l'anathème, c'est fini. C'est un petit peu dommage parce que chaîne de l'anathème c'était plutôt bien contre des champions avec des dégâts bruts. Je pense par exemple quand il y avait une Ven qui était feed, quand il y avait Camille qui était feed. Il n'y en a pas forcément qui viennent en tête, mais par exemple tous les personnages avec des dégâts bruts, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Tous les personnages qui ont des dégâts bruts, s'ils étaient feed dans la game, on pouvait faire chaîne de l'anathème et ça nous permettait de les tanker et de mettre des plus gros essais sur eux pour justement pouvoir les focus et les tuer rapidement. Donc ça ce sera plus possible, donc maintenant il faudra essayer de trouver un nouveau build pour contrer les joueurs de Ven ou les joueurs de Camille. Armure de Warmog qui a été augmentée en PV, on s'en fiche un petit peu. Fumble Vert, pareil, on s'en fiche un petit peu, on le fera jamais sur Amus cet item. Les cendres de Bami, là on voit cendres de Bami qui ont un coût qui a été réduit, les PV ont été réduits, et on a 5 d'altérants de compétences.
Ça peut être intéressant parce que 32 Bami, c'est un deck qu'on va faire très tôt dans la partie. Donc au final, l'accélération de compétences en 32 Bami, elles sont plutôt bien en early game. Ça va quand même nous aider à avoir plus souvent notre Q-Spell et notre E. Donc on prend. Les PV réduits, on s'en fiche complètement. Et le prix qui a été baissé, c'est très bien. Parce que ça veut dire que maintenant, on pourra prendre une potion en early game. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'achetait pas la potion avec Ramus en tout début de partie. Pour justement pouvoir back et acheter les 32 Bami au timing des larves. Désormais, ça coûte 100 PO de moins. Donc ça veut dire que si besoin, on peut prendre la potion en early game, faire notre clean, back, et on aura assez pour acheter les 32 Bami. Donc forcément, rayonnement du vide, il y a aussi l'excellente compétence qui a été mise. Les gîtes solaires également, ça a aussi été mis. Les PV, ils ont aussi été réduits. Par rapport au rayonnement du vide sur les gîtes solaires, en fait, ça dépendra juste de votre gameplay. Je vais y revenir plus tard, on va pas en parler tout de suite le gameplay. Mais c'est très intéressant. Pour moi, c'est pas du tout un air de gîtes solaires pour Ramus. Je vous conseille de le faire, l'item coûte moins cher et il est beaucoup plus intéressant. Le présage de Randouin. Alors cet item, il est super bien buff pour Ramus pour cette saison. Ils ont réduit les PV de 50, c'est pas dérangeant. Par contre, ils ont augmenté l'armure de 20 points d'armure. Et ça, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme parce qu'en plus, ils n'ont même pas changé le coût de l'item. Donc l'item coûte pareil qu'avant. Ça veut dire que vous allez avoir 20 points d'armure, plus entre guillemets à peu près 40% d'armure en plus avec votre Z. Ce qui veut dire que désormais, vous allez gagner grosso modo 35 points d'armure supplémentaires avec votre Z ou avec l'Aftershock. Donc 36 points d'armure bonus gratuit avec le Randouin, c'est très très puissant. Ils ont aussi modifié le présage de Randouin par rapport à la récupération du passif. Donc pour vous rappeler, le passif, qu'est-ce que ça fait? Quand vous l'activez, ça va slow les ennemis autour de vous. Donc ça paraît, c'est super fort parce que l'ultime de Ramus, c'est un pourcentage de slow cumulable. C'est-à-dire que si vous activez le Randouin dans votre ultime, ça va cumuler les ralentissements. Donc le Randouin est très fort sur Ramus en engage avec votre ultime. Et le ralentissement d'humilité, il a été augmenté à 70%. Donc c'est-à-dire que maintenant, vous prenez 70%, que vous additionnez au ralentissement du R de Ramus, autant vous dire que ça équivaut à un Z de Nasus. Donc pareil, ça va être extrêmement fort parce que ça va faire ça en zone. Donc c'est comme si vous mettiez un Z de Nasus sur l'équipe entière, pour faire court. Donc c'est super fort en douin, les résistances, le fait que ça coûte pas aussi cher que ça coûte aussi cher qu'avant, le ralentissement augmenté. Je vous conseille vivement de faire le Randouin. Et pareil, le passif dur comme fer. Faut savoir que dur comme fer, c'était un passif qui réduisait les dégâts des auto-attaques en fonction de vos PV. Donc pour Ramus, on s'en foutait un petit peu parce que bah, le champion ne fait pas beaucoup de PV et déjà de base, il ne prend pas beaucoup de dégâts des auto-attaques. Voilà. Donc, le présage de Randouin, selon moi, va devenir un des meilleurs items sur Ramus pour ce début de saison. Donc je vous conseille de le faire en deuxième ou en troisième item si votre but c'est de carry la game. Désespoir de l'infini également, qui a été extrêmement bien buff pour Ramus. Ce qui a changé surtout avec cet item, qui donne surtout de l'armure, c'est le passif qui vous régène en PV quand vous avez des ennemis autour de vous. Donc ça, pareil, comme j'expliquais, le Randouin, vous allez slow tout le monde autour de vous. Vous allez pouvoir régénérer vos PV avec le désespoir de l'infini. Les deux items en combinaison sont super forts pour vous aider à tanker comme jamais, à appliquer beaucoup de soins, beaucoup de bait, et vous aider à carry la game avec désespoir de l'infini. Donc pareil, le item va être de plus en plus fort, je vais recommencer à le faire au détriment d'autres items que j'aurais pu faire avant. Ensuite, Masque Abyssal qui a également été modifié, donc l'item coûte moins cher, il donne moins de résistance magique. La résistance magique en fonction des PV bonus, elle a été passée à 20% dans résistance magique. Juste à retenir un petit peu le rythme pour vous expliquer mieux. En fait, le Masque Abyssal, il fallait avoir beaucoup de PV bonus pour le rendre efficace. Et réduire la résistance magique adverse. Désormais, c'est en pourcentage, ça ne dépendra plus de vos PV max. Ce qui veut dire que maintenant ce Ramus item est encore plus fort parce que le champion ne faisait pas beaucoup de PV. Donc ça réduit un petit peu l'efficacité de l'item. Désormais, vu que c'est juste 20% pour les ennemis autour de vous, vous vous en foutez complètement, vous faites l'item en early game ou en mid game et vous allez aider vos carry AP à pouvoir faire des dégâts en la game. Le rayon de l'anéantissement, il a également été augmenté pour coller un petit peu à la portée des sports de l'infini. Donc ça, pareil, en combinaison avec les autres items du précédemment, le masque abyssal va être très très fort. La résistance magique de l'anéantissement, ça passe de 9 par ennemi à 10 par ennemi. Ce qui veut dire que du coup, si vous avez 5 ennemis autour de vous, vous allez gagner 50 de résistance magique.
Et si c'est augmenté par votre Z, vous allez gagner à peu près 80 de résistance magique. Donc c'est super fort en early game sur un Rammus ou en mid game. Et enfin, c'est un unique avec le bâton du vide et la fleur de crypte. C'est que maintenant, vous ne pourrez plus faire bâton du vide ou fleur de crypte si vous avez déjà acheté le masque abyssal. Donc ça, pareil, on s'en fiche un petit peu. C'était pas le but recherché sur Rammus. Donc pareil, masque abyssal, très très fort. On continue avec le vœu du chevalier. Là, pareil, c'est un item qu'on faisait de temps en temps sur Rammus parce qu'il était très efficace si vous avez du retard dans la game. Ou si jamais vous aviez beaucoup d'assistance pour vous aider justement à pile l'allié que vous avez feed durant le début de partie. Donc le vœu du chevalier était plutôt intéressant et il était également faisable avec Rammus support. Là on voit ça a été modifié au niveau de la construction. Désormais on peut le faire avec une cotte de maille et un collier rafraîchissant. L'item donne de la régénération de base de PV et à l'inverse ils ont réduit l'armure octroyée. Par contre ils ont augmenté la redirection des dégâts. Donc là, ça passe de 12% en permanence, notamment pour le début. Les items sont désormais réduits par l'armure à la résistance magique de vœu du chevalier. Enfin, non, les dégâts sont désormais réduits par l'armure à la résistance du vœu du chevalier. Donc bon, vœu du chevalier, pas de très grands changements significatifs. C'est toujours un bon item à faire si vous avez besoin de carry un allié, et si vous avez du retard dans la game en termes de PO. Convergence de Zeke. Pareil, l'item, on s'en fiche un petit peu, il n'est pas forcément très intéressant sur Rammus, étant donné que le passif de l'item fait exactement la même chose que votre ultime, donc c'est pas très intéressant. Certes, les slows sont cumulables avec l'ultime de Rammus, mais pareil, c'est pas forcément le plus intéressant à faire. Ce qui est bien désormais avec la convergence de Zeke, c'est qu'ils ont enlevé le mana bonus. Et en fait, le mana bonus, c'est un petit peu... on va dire le vilain petit canard de l'item, parce que on s'en fichait complètement, ça nous faisait acheter ça pour rien, et donc c'était dérangeant. Désormais l'item est le 3 à la place de la résistance magique, et ils ont équilibré ça avec l'armure, donc ils sont tous les deux à 25 d'armure, 25 de résistance magique. Et enfin on gagne 300 PV. L'item, pareil que la vue du chevalier, si vous avez beaucoup d'assist, si vous jouez Rammus support, il peut être très fort désormais. Mais la plupart du temps, bah, comme j'ai dit, si vous arrivez à carry dans les games, vous le ferez quasiment jamais. C'est vraiment si vous êtes très en retard, ou alors que vous êtes en 0-0-20, que vous avez plein d'assists et pas assez de kills, et que vous voyez que vous avez besoin d'accélérer la game pour la gagner. Oula, j'avais pas vu ça. Alors je découvre ça en même temps que vous. Je viens de capter. Couperet noir qui a été buff. Ok. Réduction d'armure qui passe de 5% à 6% par coup. Et qui donc forcément, vu qu'il gagne un point, il passe à 25 à 30% de réduction d'armure max. 30% de réduction d'armure max, c'est énorme sur Rammus, parce que forcément ça va réduire votre armure en statistique, donc ça va réduire les dégâts de votre côte épineuse, de votre Z, de votre passif, et ça va réduire aussi vos résistances. En fait, ça va réduire vos dégâts et vos résistances. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper Rankin couperet noir. J'ai déjà fait un short pour parler de l'item en faisant plein de calculs pour tout vous expliquer. Si jamais l'item vous intéresse pour pas vous faire avoir en ranked, n'hésitez pas à aller voir le short. Mais en tout cas, le fait qu'ils aient buff le couperet noir, ça va énormément nerf Rammus sur plein d'aspects du jeu. Donc désormais, maintenant, dès que vous voyez couperet noir, attention, gros panneau, attention, faut surtout pas aller attaquer le mec, faut surtout pas s'approcher de lui pour éviter qu'il réduise votre armure. Surtout qu'en plus, la réduction d'armure, c'est pas de la réduction pour lui, c'est de la réduction sur vous. Ce qui veut dire que même ses alliés vont faire plus de dégâts. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, un Olaf qui vous court dessus, qui vous applique tous les effets qui réduisent 100% vos résistances, vous allez faire moins de dégâts sur le Olaf, moins de dégâts sur ses alliés, et vous allez tanker moins bien. Donc forcément, couperet noir, attention, l'item a été buff. On arrive à présent au bot avec notamment les coques en acier. Alors les coques en acier, on avait arrêté de les faire, selon moi c'était un très gros bait de l'item. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait avoir par rapport à ça, notamment des gens qui first aim Rammus ou des gens qui s'intéressent pas forcément aux notes de patch et qui sont tentés juste de faire les items conseillés. Les coques en acier c'était un gros bait, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait le passif qui réduisait de 12% les dégâts des attaques de base et ça donnait 20 points d'armure. Sauf qu'en fait, quand on faisait le calcul par rapport à Rammus, en fait Rammus déjà de base avec son Z, il va prendre très très peu de dégâts des auto-attaques. Donc par exemple, si vous jouez un combattant, que vous prenez, je sais pas moi, on va dire grosso modo 600 de dégâts par auto-attaque, par les ADC, forcément réduire de 12% 600 de dégâts, c'est intéressant. Rammus, déjà dans son kit, il va prendre très peu d'auto-attaque parce que les ennemis vont simplement essayer de ne pas le taper, donc il va prendre très peu d'auto déjà de base dans son kit.
Et en plus de ça, quand il va quand même prendre des auto-attaques, avec son Z, avec son montant d'armure et avec ses items, il va prendre, on va dire, l'équivalent de maximum 200, 250 de dégâts. Donc réduire 12% de 250 de dégâts, c'est tout de suite beaucoup moins rentable. Et en plus de ça, l'armure octroyée, ça donnait que 20 points de dégâts, enfin ça donnait que 20 d'armure, ce qui faisait l'équivalent, avec les 10% du passif, de 2 points de dégâts. Et si on mettait le Z activé, ça donnait 4 points de dégâts. Donc forcément, un item qui donne que 4 points de dégâts et 20 points d'armure, c'était clairement pas intéressant à faire sur le champion. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les boîtes de sorcier étaient beaucoup plus intéressantes avec la pétrition magique en termes de dégâts. Désormais, l'item coûte 1000 PO de moins, il donne 25 points d'armure, et la réduction de dégâts d'attaque de base, elle est passée à 8%. Ce qui veut dire que le passif qu'on utilisait moins, qui était moins intéressant, il a été nerf, donc on s'en fiche un petit peu. Par contre, l'aspect armure de l'item, il a été buff. Donc pourquoi pas désormais repartir du coque en acier? Comme j'ai dit, j'ai fait une ranked récemment, j'ai testé les coques en acier, ça fonctionne mieux qu'avant sur Amus. Donc je vous conseille de les refaire contre des compos très AD, ça devient tout aussi intéressant que les bottes de sorcier. Ce qu'il faut voir désormais, c'est est-ce que les ennemis font de la résistance magique? S'ils font de la résistance magique, comme par exemple au bout du rouleau, vous repartez sur les bottes de sorcier. Si les ennemis font des builds de classique avec aucune résistance magique, c'est plus intéressant en termes de dégâts et en termes de résistance de faire les coques en acier. Donc maintenant, autant à l'époque vous faisiez soit les bottes anti-ralentissement, soit les bottes de mercure, soit les bottes de sorcier. Désormais, vous pouvez également faire les coques en acier, c'est un quatrième choix possible sur Amus. Les bottes de mobilité, elles ont été supprimées, donc on s'en fiche complètement. Voilà, on est passé à autre chose, on les faisait jamais. Ça, c'est les bottes du néant, donc ça permet de back plus vite. Bon, pareil, on s'en fiche complètement. Les bacs du Nashor, de toute façon, on court déjà très vite. Ça pourrait être intéressant parce que, en soi, Rammus, il court déjà très vite avec son Q. Donc on pourrait se dire, bah, en fait, les bottes, elles sont ultra intéressantes parce qu'avec ça, on va pouvoir les stack vite avec le Q spell, avec le R. Il y a moyen d'avoir un back rapide. Mais en fait, ce qui est un petit peu nul avec ces bottes-là, c'est la vitesse de déplacement octroyée. On gagne que 35 de vitesse de déplacement. Du coup, au final, ça nous réduit notre early game. Et nous, c'est justement ce qu'on veut pas. On veut pas perdre l'early game avec Rammus. On veut le gagner. Donc, ça sert à rien de faire les semelles symbiotiques. Faites des bots classiques. Allez le plus vite possible dès le début de la game pour pouvoir gank, revenir très vite en jungle et pouvoir tuer les adversaires facilement. Donc, les bots, c'est les semelles symbiotiques. On ne les fera quasiment jamais. Je vois pas l'intérêt sur Rammus. On passe à présent aux items d'ADC. Alors j'en skip quelques-uns parce qu'il y a des items, bon voilà, c'est un petit peu pareil qu'avant, ça n'a pas changé grand-chose sur le champion, c'est vraiment du détail, donc je m'y suis pas attardé. On va juste parler de quelques items, notamment Salutation de Dominique. Ils ont augmenté la passive d'armure, ils ont augmenté les chances de coup critique, et ils ont augmenté l'AD. Par contre, l'item n'inflige plus de dégâts augmentés en fonction des PV max de la cible. Donc ça veut dire que désormais, vous allez quand même tanker un peu plus par rapport à avant, parce que les dégâts sur les PV max étaient quand même très forts sur Rammus. Néanmoins, il y a toujours plus de pression d'armure, donc il faudra faire attention. La différence par rapport au prêt noir, c'est qu'en fait là c'est de la pénétration d'armure, c'est pas de la réduction d'armure. Donc ça va juste aider l'AD carry à vous faire des dégâts, mais ça va pas aider la team à vous faire des dégâts. Et vous allez quand même faire, vous allez quand même garder votre armure, vous allez quand même faire les dégâts sur l'adversaire. Donc après avoir les dégâts, il faudra tester en game. Mais je pense que ça reste quand même un petit nerf du Dominique par rapport à Rammus. Rammus reste quand même meilleur que ce Dominique-là. Donc ça peut être cool maintenant de ces changements pour lui. Cimeter Merkle qui a également été modifié. Ils ont enlevé les chances de coup critique. Ils ont augmenté le coup en PO. Et ils ont donné du vol de vie sur l'item. Ce qui veut dire que maintenant les combattants pourront aussi le faire. Donc ça pareil, Cimeter Mercurial, ça peut être très dangereux pour nous. Rappel mortel, bon, ils ont mis des chances de coup critique. Le nouvel item, Tremble Lame Navori. Alors, ça, c'est inspiré de Sivir, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que ça donne? Coût total en or, ça coûte 2600 PO. 20% de coup critique. Ça réduit la récupération. 40% de vitesse d'attaque. Et ça ne donne plus les centres de compétences ni de dégâts d'attaque. Ok, donc, en fait, ça, c'est un item qui est uniquement basé sur la CDR, sur la récupération de délai. Et sur la vitesse d'attaque. Ok, bah du coup c'est un item que si l'ADC le fait, on pourra le défoncer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Si vous voyez un ADC faire cet item, bah c'est GG, vous pouvez lui courir dessus et le défoncer. Tout simplement. Ça n'a pas trop été modifié.
Dégâts d'attaque supprimés, ça pareil, hein, dans sur fantôme, ils ont enlevé les dégâts d'attaque. Ils ont augmenté 30% la vitesse d'attaque. Pareil, si vous voyez un DC vers dans ce fantôme, vous pouvez le défoncer. Désolé, je suis un petit peu violent dans mes propos, mais c'est réel, hein, vous allez vraiment le défoncer. Canon ultra rapide, pareil. En fait, ça c'est. C'est banger cette saison parce que j'ai l'impression. Il y a plein d'items ADC qui gagnent beaucoup de vitesse d'attaque et qui perdent beaucoup de dégâts d'attaque. Du coup, ça veut dire que maintenant. En plus, les items coûtent moins cher. C'est-à-dire que les ADC vont vraiment être tentés de les faire. Du coup, en fait, c'est un énorme buff de Rammus, hein, ces changements-là. Ces changements-là, c'est un énorme buff de Rammus parce que. Bah, ça donne trop de vitesse d'attaque en fait. Passe du 30 à 60%. C'est énorme. C'est énorme. Pareil, les chances de coup critique. Chances de coup critique qui ont été augmentées, mais ça, on s'en fiche parce que désormais, pour rappel, tout en haut. Alors, je vais revenir plus haut un petit peu, mais. Pour rappel, le Randouin. Notre cher Randouin, il a été buff pour Rammus, donc on va le faire très souvent. C'est-à-dire que désormais, le Randouin qui réduit les coups critiques, bah, il est extrêmement fort. Et à côté de ça, on a des items AD carry qui ont été nerf, enfin qui ont été buff en termes de vitesse d'attaque et en coup critique. Donc en fait, désormais, vous allez faire Randouin deuxième item, vous faites Randouin deuxième item et vous défoncez les ADC en fait. Ça va être ça qui va se passer. Vous faites côte épineuse Randouin, c'est fini en fait. Ensuite, là pareil, ils ont enlevé les chances de coup critique, vitesse d'attaque qui augmente de 10%. Ça fait des dégâts magiques, mais on s'en fiche un petit peu. Ils ont enlevé la tempête, Terminus qui a été nerf. Ah non, pareil, Terminus pareil, moins 5 de dégâts, plus 5 de vitesse d'attaque. Voilà. Voilà, je pense que ça résume bien le truc, hein. Et enfin, flèche de Yuntal. Alors, ça, c'est le seul item qui n'est pas vitesse d'attaque. Le but des flèches de Yuntal est d'ajouter une option supplémentaire pour les champions tournés vers les dégâts d'attaque, les coups critiques, qui leur permettent de continuer à choisir des objets agressifs en prenant qu'une seule option de vitesse d'attaque, ou même zéro. Cet objet devrait être utile pour les champions dotés de beaucoup de dégâts d'attaque, Kukujin, ou pour ceux qui peuvent rapidement enchaîner les coups critiques. J'ai un coup critique 25%. Ok, donc ça va être pour Tryndamere, Yasuo, tout ça. Dégâts d'attaque 65. Les coups critiques infligent des dégâts physiques bonus équivalents à 35% de vos dégâts d'attaque totaux en 2 secondes. Bah oui, mais on a Randouin en fait. Enfin, en fait, je suis en train de me dire, mais Rammus va être banger parce que là, il n'y a plus aucun ADC qui pourra tester Rammus en fait. Tous les items donnent soit du coup critique, soit de la vitesse d'attaque. Et ils en donnent beaucoup. Donc là, je fais Randouin, en fait, c'est. Ça va être trop fort, en fait. Ça va être trop fort, le Randouin. Il va devoir se faire nerf. Il va devoir se faire nerf. Bref. On continue. Zephyr. Alors, ça, c'est un item qui existe depuis très longtemps. Qui a fait son grand retour. Voilà, Zephyr fait son retour. Alors, ça donne vitesse d'attaque 25. On a quoi? Amélioration des effets du Jambir, du Berserk, qui ne pas au niveau 15. Cet objet sera toujours considéré comme des bottes. Vitesse d'attaque 45, vitesse de déplacement 45, passif, vous gagnez 5% de vitesse de déplacement pendant 8 secondes. Max 15%. Ah, mais ils disent pas quand. Tu crois que c'est en attaquant, à mon avis. Ok. Bon, pourquoi pas, après. Déjà, vitesse d'attaque 45, quoi. Vitesse d'attaque 45, donc c'est pareil qu'avant en fait, c'est full vitesse d'attaque. Full vitesse d'attaque. Ça pareil, arc courbe qui a été modifié. Mais pareil, mais arc courbe. Arc courbe qui maintenant fait plus de dégâts magiques, fait des dégâts physiques. Donc ça pareil pour l'early game, c'est très bien pour Rammus. Fronde de l'éclaireur. Vitesse d'attaque 20%. Blesser un champion, inflige 40 points de dégâts magiques bonus. Les attaques réduisent le temps de récupération d'une seconde. On s'en fout, parce que ça veut dire que ça va vous faire 40 points de dégâts magiques pendant votre Z, forcément. Parce que forcément, quand il y a vos auto-attaques, ce sera pendant votre Z. Et ensuite, le temps qu'il le récupère, soit le mec est mort, soit il s'est enfui. Donc, pareil, fronde de l'éclair, on s'en fiche complètement. Le Z critique augmenté. La DAC qui perd de la vitesse d'attaque, c'est un petit peu dommage, ça, par contre. Elle perd un petit peu de vitesse d'attaque.
Je crois qu'on en a fini. Ok! Bon, j'avais des choses à dire là, je pensais pas dire autant de choses, mais. En fait, ça va être banger, Ramusin. Ça va vraiment être banger. Enfin là, faut se dire que maintenant, tous les items ADC, ça donne de la vitesse d'attaque, plus de vitesse d'attaque que de dégâts, et ça donne plus de coups critiques qu'autre chose. Et donc en fait, le Rondouin, qui a déjà été buff. Façon, on verra ça en game, mais je vous le dis, le Rondouin, ça va être banger, ça va être n'importe quoi cette saison pour Ramus. Le Rondouin, faudra le faire en deuxième, voire troisième item, mais il va être trop important cet item. Son invocateur fantôme qui a été augmenté de 30 secondes. En fait, là, tous les sons d'invocateurs ont été nerfs. Bon. La purge qui a aussi été nerf. La ténacité qui a été augmentée. Mais bon, de toute façon, si le mec purge votre taunt, bah, ça, il va juste s'enfuir. Donc, faut juste gank sur les timings où il y a la purge. Ou alors essayer de bait la purge en faisant semblant de taunt. Mais je pense que de toute façon, Ramus, ce sera toujours très embêtant pour lui de gank quelqu'un avec une purge. Et à l'inverse, ce sera toujours aussi fort avec Fantôme. Donc moi, je vais continuer à jouer Ramus avec Fantôme. Parce que c'est pas la réduction de 5 secondes qui nous gêne. Nous, ce qu'on cherche surtout sur Ramus, c'est l'engage. Donc on met Fantôme, on go in sur quelqu'un, on le catch, on le tue, on se barre. Et puis ensuite, on a fait notre taf. Donc l'augmentation de. Enfin, la réduction de 5 secondes, c'est pas forcément ce qui va nous le plus nous gêner. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'en fait, faut savoir que sur Ramus. Les champions qui faisaient fantôme plutôt que flash étaient plus dérangeants. Parce qu'imaginons, si jamais vous gankez un top laner, que le top laner flash out, si jamais vous avez bien mis votre Q-spell au bon moment, pas trop tard non plus, pas trop tôt non plus, et ben en fait, vous allez pouvoir quand même rattraper le mec qui a flash. Alors qu'à l'inverse, si jamais le top laner il a pris un ghost, bah il va ghost et puis il va s'enfuir au bout d'un moment. Donc c'est toujours mieux d'avoir un top laner qui prend flash plutôt que ghost. Donc là justement ça va réduire justement l'impact des top laners qui avaient sort d'invocateur. Et peut-être qu'ils vont peut-être arrêter de prendre sort d'invocateur là et repartir sur des flash. Peut-être. Et pareil pour les ADC. Les ADC c'était pareil. Les ADC prenaient de temps en temps des ghosts. Donc là ça va peut-être leur donner envie de repartir sur autre chose, notamment sur le soin. On voit le soin qui est là. Le soin qui a été buff d'ailleurs. Donc je pense que désormais, si les ADC repartent sur le sort d'invocateur soin, c'est tout bénef pour nous. On passe désormais aux runes, avec notamment la rune Predator qui a été supprimée. Alors la rune Predator, c'est une rune marrante à faire de temps en temps sur Ramus. Perso, généralement, je l'ai fait que 2-3 fois, enfin, c'était pas trop mon délire. Du coup, voilà, Predator, ça s'est supprimé, tant pis, c'est pas très grave. Ils ont également modifié le déluge de l'âme. Maintenant, ça passe de 110 à 80% pour les champions à distance. Et ça reste à 110% pour les champions de mêlée. C'est pour nerf un petit peu tous les champions AD carry support, comme par exemple Kalista ou Ashe. Bon, c'est pas forcément c'est plus dérangeant. C'est un petit nerf de Ramus, forcément. Mais on prend, c'est pas forcément le pire. Chasseur ingénieux qui a été supprimé. Pareil, on s'en fiche un petit peu. Rouille offensif, pareil. Chasseur acharné, pareil. C'est pas dérangeant. Par contre, on passe sur, selon moi, le plus gros nerf pour Ramus depuis quelques temps sur les runes. Et cette fois-ci, c'est un nerf indirect de Ramus. C'est la suppression de tempo mortel. Parce que les champions qui mettent tempo mortel, ils gagnaient de la vitesse d'attaque quand ils mettaient des auto-attaques. Et donc forcément, Ramus, ça l'aidait à augmenter ses dégâts de façon exponentielle sur les AD carry, sur les combattants et sur certains champions qui faisaient cette rune. Désormais, il n'y a plus de tempo mortel, donc en fait ça va réduire les dégâts de Ramus, parce que les autres ADC vont prendre désormais, par exemple, attaque soutenue, ils vont prendre Conqueror, ils vont prendre. C'est quoi la dernière qui reste? Attaque soutenue, Conqueror, ou alors jeu de jambes. Qui sont des runes, bah forcément plus intéressantes à faire, et donc du coup les gens ne se feront plus bait par le tempo mortel, malheureusement. Donc ça reste quand même un très gros nerf de Ramus, on dirait pas comme ça, mais quand vous arriviez par exemple, je sais pas moi, sur une Jinx, full tempo mortel stacké, en mode mitraillette, que vous lui mettez EZ, bah la Jinx elle se faisait one shot. Désormais la Jinx elle va partir sur attaque soutenue, ce qui veut dire que l'attaque soutenue, elle va vous mettre quelques autos, mais vous pourrez pas la one shot. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Du coup attaque soutenue forcément ça va être meilleur qu'avant. Sauge de PV qui a été supprimé. Absorption vitale, ça va rien changer pour Ramus et pour la phase de lane. Légende ténacité qui a été supprimée, on s'en fiche aussi complètement parce qu'on ne faisait jamais cette rune-là sur Ramus. On préfère clairement plus prendre légende à la crité pour la vitesse d'attaque. Et à l'inverse, c'est plutôt un buff pour Ramus parce que justement, Ramus c'est un des rares tanks qui ne la faisait pas. Et à l'inverse, tous les champions combattants, tanks, ADC, support qui pouvaient la faire, ben, ils pourront plus.
Donc ça veut dire que votre taunt, il pourra être beaucoup plus impactant, et c'est aussi le reste de vos CC. Donc le nerf, enfin la suppression de Légende Ténacité, ça reste aussi un buff pour Amus. La Ruine Abattage, qu'est-ce qu'ils nous ont fait sur ça? Bon, ça c'est un nerf en fait, hein. C'est un nerf pour le late game, j'ai l'impression. Ils ont nerf ça pour le late game. Ok. Bon, pas très dérangeant non plus, c'est sur les PV max. Ça ne nous dérange pas. Jeu de jambes qui a été modifié, pareil. Fontaine de vie. Ah, je savais pas ça qu'elle avait été changée. Fontaine de vie qui est la rune qu'on fait sur Amus, parce que simplement Demolish et... C'est quoi l'autre? Demolish et... J'ai un trou de mémoire. On va regarder vite fait. Petit trou de mémoire, ça arrive. Je crois que c'est là. C'est pas là, c'est là. Démolish et... Ah oui, coup de bouclier. Bah forcément, ces deux runes-là, démolish, coup de bouclier. Bon, ça sert à rien sur Amus, on comprend toujours fontaine de vie. Ralentir et mobiliser un champion ennemi le marque pendant 4 secondes. Les champions alliés qui utilisent une attaque de base contre un ennemi marqué récupèrent 5 répliquements des PV. Désormais, ralentir ou mobiliser son champion ennemi vous rend, ainsi que l'ennemi proche... Attendez quoi? Ça nous rend maintenant? Ça nous rend des PV? Vous rend, ainsi qu'à l'allié proche qui a le moins de PV, 10-50 PV, 70 pour les utilisateurs à distance, 70%, ça a 20 secondes de les récupération. Bah let's go! Mais c'est encore mieux qu'avant en fait, c'est tellement bien! C'est tellement bien! C'est trop trop bien! Parce que du coup maintenant, c'est-à-dire que Ramus il pourra se soigner sur ses engages, donc par exemple les fois où vous voulez turn avec quelques HP pour essayer de tuer le mec, bah du coup vous allez prendre votre Q dessus, vous allez le taunt et vous allez récupérer des HP. C'est très bien ça, c'est très très bien cette rune maintenant. Elle est encore mieux qu'avant pour Ramus. Parce que autant avant elle était bien pour ses alliés, maintenant elle va être bien pour ses alliés et pour lui. Donc c'est un petit buff de Ramus, c'est toujours sympa. Du coup, on en a fini avec le patch, il n'y avait plus rien d'autre à dire dessus. On va passer désormais à l'état de Ramus très rapidement, parce que la vidéo commence à être quand même assez longue. Bon, Ramus actuellement... Faut savoir que c'est comme avant, il n'y a quasiment aucun changement. Le champion, quand on arrive en bronze, silver, gold, il est toujours dans le top 10, il est extrêmement fort, 52% win rate. Le champion est ultra fort à bas elo, là on voit il est dans le top 10, dans le top 15. Par contre, quand on arrive à très haut elo, là on voit en émeraude, on arrive dans le top 20. C'est grâce à moi, lol. Et ensuite, en diamant, ça commence déjà à bien baisser. Je crois qu'on est dans le top 60, 70. Ah non, on est encore baissé par rapport à ce que j'ai regardé la dernière fois. On est top 94 arrivé en diamant. Vous voyez la différence entre le diamant et l'émeraude. Et en master, on est encore plus bas. On est dans les derniers. Il est là, il est 142e sur 167. Donc vous voyez vraiment la très grosse différence de Ramus en Demonite par rapport à l'Elo. C'est pour ça que je dis plein de fois que Ramus est très dur à trio Elo. Parce que pour le counter, il faut avoir beaucoup de connaissances sur le jeu. Donc forcément, les Baelo ils en ont pas, vous les défoncez. Les Waelo ils en ont beaucoup, c'est vous qui vous faites défoncer. Voilà, voilà. Donc l'état de Ramus sur le jeu actuellement, il n'a pas changé, il est toujours pareil. Néanmoins, je pense que c'est surtout au niveau platine et au niveau émeraude que le champion va bien step up avec la nouvelle saison. Enfin, la nouvelle demi-saison. Donc ça m'étonnerait pas de le voir d'ici quelques jours dans le top 10. Là, il est dans le top 15. Mais pourquoi pas le voir ici prochainement. Il a la place peut-être pas de Trundle ou de Vex, peut-être. D'ici quelques jours. On arrive du coup à présent au gameplay sur Amus, au nouveau changement sur les runes et surtout sur les items. Je vais vous présenter les deux builds à faire en fonction de votre gameplay et de votre avancement dans la partie. Au niveau des runes, il n'y a aucune rune dangereuse. Au contraire, il n'y a pratiquement que du buff pour Ramus. Le changement sur la rune Ténacité, le changement sur Fontaine de Vie. De manière globale, le champion, il a des très bonnes runes et il ne va pas les changer. Donc on va rester sur cette page de runes-là pour Ramus pour cette saison. Tout est très bien. C'est plutôt au niveau des objets qu'il y aura des modifications. Donc les objets, on va faire les pages de runes, on va faire la page d'objets ensemble et je vous la mettrai en description si jamais vous en avez envie sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, cliquer sur le lien du Discord, rejoindre le Discord. Et comme ça, vous avez des questions, si vous voulez partager du gameplay et vos connaissances, vous pourrez retrouver tout ça là-bas. Et je mettrai également du coup le set d'objets sur le Discord. Au niveau de Ramus, alors on va commencer déjà par un build si jamais vous avez beaucoup d'avance.
Si vous avez beaucoup d'avance, je vais mettre Amus. Hop. Alors, on va mettre ça comme ça aussi. Alors imaginons, là par exemple, la game que j'ai faite en Ranked, je peux vous la montrer rapidement, de toute façon je ne l'ai pas enregistrée donc elle ne tombera pas sur YouTube. Alors elle est, je crois qu'il faut aller là maintenant. Tout a changé. Voilà, j'ai fait une game comme ça, 4-1-17. Donc là c'est une game où j'avais beaucoup d'avance très tôt, j'ai pris les deux premiers kills, j'étais en 2-0 au tout début, j'avais beaucoup d'avance. Donc on va commencer par cette analyse de game là. D'ailleurs pour info, j'aime beaucoup les nouveaux systèmes de maîtrise au final, c'est vraiment pas mal. Du coup. Les items, ils sont là. Ramus. Au niveau de l'item de départ, je vous conseille toujours l'Ixamandre. Moi, c'est celle que je prends tout le temps. Je vous la conseille. Désormais, la potion, vous pouvez la prendre. Comme j'ai expliqué, les sorts de Bami coûtent moins cher désormais. Néanmoins, je vous conseille quand même de ne pas la prendre parce que ça sert quasiment à rien sur Ramus en early. Vous prenez pas beaucoup de dégâts des monstres. Donc, si vous pouvez ne pas la prendre, ne la prenez pas. Ça vous permet d'économiser un petit peu d'argent. Ensuite, forcément, vous prenez la balise. Vous prenez ensuite le déwarder si besoin, des pings. Voilà, c'est très classique. Premier bug, vous avez. Là, si jamais vous avez beaucoup d'avance. Si vous avez beaucoup d'avance, vous comptez faire beaucoup d'or pour pouvoir gagner la partie très tôt. On va aller sur les items d'armure. Vous allez faire. Ah, il y a tous les items d'arena. Ça, c'est un petit peu relou. Je ne sais pas si je peux les enlever. J'ai pas l'impression. Si vous voulez partir sur du carry, vous prenez, hop, vous allez rush ça, côté pineux sur système. Ensuite, vous allez faire le rondouin, parce que rondouin c'est juste banger. Donc vous faites rondouin ensuite. Entre-temps, vous allez faire vos bottes, donc les bottes elles sont là. Donc ça c'est ce que je vous conseille si vous êtes une team très AD. Hein. Une team très AD, vous faites ça. Vous prenez les bottes d'armure, hop. Si jamais la résistance magique en phase, vous faites les bottes de sorcier. Mais pour l'instant, on n'y est pas. D'ailleurs, je vais juste les mettre rapidement. Si jamais ça veut bien, ça ne veut pas. Bottes de sorcier, où est-ce qu'elles sont? Ah, c'est que maintenant, ça coûte plus cher aussi. Hein. Les bottes de sorcier coûtent plus cher. Hop. Hop. Et les dernières. Je sais pas où elles sont. Ah, elles sont là. C'est que ça maintenant ça coûte que 900 PO hein, les boîtes de célérité. Boîte de célérité, en fait, ça peut vraiment être super fort maintenant. Je les mettrais même presque devant son de Mercure. 200 PO d'économie, c'est énorme. C'est vraiment énorme 200 PO d'économie. Parce qu'en fait, le truc le plus chiant sur Ramus, enfin le truc le plus dérangeant, c'est les slows. Les slows, c'est horrible pour un Ramus. Alors que les stones, bah, la plupart des stones, vous pouvez quand même mettre votre Q pendant le stun, donc ça vous dérange pas trop. Et de toute façon, vous avez votre R. Donc, alors que les slows, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc presque, je suis en train de vous dire maintenant, faites les bottes de célérité. Hein. Si vous n'avez pas besoin de résistance, faites les bottes de célérité, c'est beaucoup plus rentable. Enfin bref. On verra ça plus tard, c'est pas le sujet. Et ensuite, vous avez fait ces deux items-là. Vous pouvez partir sur le masque abyssal. Masque abyssal très fort, comme j'ai expliqué, il y a plein de choses qui ont été changées sur l'item qui l'ont rendu encore plus fort. Hop. En résistance magique, sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Il y a un rayonnement du vide aussi qui est plutôt fort, mais je vous le conseille pas trop dans l'optique de carry, de tanker. De toute façon, vous allez quand même outscale en termes de dégâts si vous êtes tombé contre une très AD, donc ça sert à rien de faire le rayonnement du vide. Si votre but est juste de tanker les résistances. Et enfin, on pourrait finir par un petit Jack Shaw en fait. Un hein. Petit Jack Shaw. Petit Jack Shaw, et puis on termine par. Dans la team, une team full AD. Je suis un peu perdu là, il y a tout qui se mélange. Attendez, hop. Ah forcément, si je mets pas ça, ça va pas le faire. Ben, on pourrait partir sur des espoirs de l'infini. Des espoirs de l'infini qu'on pourrait faire là, par exemple. En fait, le truc, c'est que rien qu'avec ces items-là, vous allez outscale les adversaires. Après, c'est à vous de vous dire, est-ce que le mec AP est plus feed? Est-ce que j'ai besoin de carry de faire des dégâts AD? Enfin, de tanker les dégâts AD? Est-ce que je peux 1v9 la game? Après, l'ordre des items, c'est à vous de voir. Mais je pense que cet ordre-là est pas dégueu. Je pense que le Jack Shaw, on pourrait limite le mettre là.
Voilà, comme ça. Et en fait, là, comme ça, vous avez un petit peu de tout. Vous avez du soin, de la tankiness, réduction de critique, réduction de vitesse d'attaque. Enfin, voilà, là, vous êtes bien. Donc ça, c'est dans l'optique où les games, vous allez pouvoir carry. Carry. Feederly. Enfin voilà quoi, vous êtes très bien early, c'est vraiment le build où si vous arrivez à faire 2-3 ganks très tôt et que ça passe, bah vous faites ce build là et vous allez pouvoir carry. Ensuite on va passer au build où justement vous allez devoir jouer la map, donc c'est mieux, vous ne pouvez pas carry, parce que par exemple, je sais pas moi, il y a des LeBlanc mid lane, il y a des Sivir bot lane, il y a Milio, il y a par exemple un Xante top, hein, voilà, tout ce genre de compo où vous n'allez pas pouvoir gank autant que prévu, où il faudra plutôt farm que gank. Vous allez faire ça, vous allez start sur, hop, sur l'égide solaire. Alors forcément, c'est soit égide solaire, soit étincelle, soit rayonnement du vide. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est à vous de voir. Ensuite, vous allez faire côte épineuse, forcément. C'est toujours à faire sur Rammus. Là, du coup, en fonction du thème que vous avez pris, soit vous partez sur de la résistance magique directement, soit vous partez sur le Jakcho. Moi, je vous conseille quand même de prendre le Jakcho, qui est quand même plutôt intéressant. Au niveau des bots, là c'est pareil, ça dépendra surtout de la game, mais de manière générale, les bots de célérité peuvent être bien. Enfin, non, pas les bots de célérité, les bots de Mercure peuvent être bien. Voilà, ça équilibre un petit peu toutes vos résistances. Et puis ensuite, là vous avez déjà 4, 5 items. Ah non, vous avez déjà 4 items. Ensuite, vous prenez. Ensuite, moi je vous dirai Randouin. Je vous dirai Randouin et. Ah, mais il n'y a plus la force de la nature. Ah non, si, elle est comme ça. Randouin et force de la nature. Voilà. Ça, c'est dans une game où vous allez devoir jouer la map, jouer les ganks. Même, Après, Plaque du Mort, c'est pareil. En fait, Plaque du Mort et. Ça dépend juste de la game. En fait, s'il y a beaucoup d'AP, bah, vous faites force de la nature. S'il y a beaucoup d'AD, vous allez faire. Vous allez faire Plaque du Mort. C'est juste ça. C'est juste ça. Après, voilà. Là, c'est vraiment le build de base. C'est vraiment le build de base sur le champion. Pour faire des dégâts très tôt. Ou alors pour faire beaucoup de camps très tôt. Mais après, c'est à vous de vous adapter en game. Parce que Rammus, forcément, c'est un tank. Donc tous les tanks du jeu dans League of Legends, c'est la classe de champion. Vous devez le plus vous adapter en fonction de la game. Et c'est encore plus vrai pour les tanks jungle. Parce qu'autant les tanks top lane, ils vont s'adapter à leur vis-à-vis. Et après, ils vont s'adapter à l'équipe adverse. Les tanks jungle, ils doivent s'adapter directement très tôt à toute l'équipe adverse. Donc voilà, après c'est à vous de vous dire est-ce que un tel est plus fit, je dois faire de la résistance magique? Est-ce que j'ai besoin d'anti-heal? Est-ce que j'ai besoin de mobilité? Ça, c'est à vous et votre expérience avec la game en cours. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce guide sur Rammus. Il aurait été plutôt long, malheureusement. Enfin, après, ça dépend ce que vous avez regardé, mais j'espère que ça pourra vous aider. J'ai très certainement oublié de dire certaines choses, donc vous en faites pas. Il y aura du gameplay sur Rammus prochainement, donc je vous continuerai à vous expliquer des choses pendant les games de gameplay. Si jamais je vois qu'il y a des choses importantes à dire, je vous ferai des shorts sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'approfondisse certains points. Surtout, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.